Bonjour, bonsoir, bonne nuit, bon appétit, et on se retrouve avec l'évasion de Portal 2. Bon, on était où? On était en train de se casser de là. Allô? Ah oui. Ah oui, bon, d'accord, ça commence direct. Ok, très bien. Très bien, très bien. Alors. Vous avez réussi à passer. T'es où? Ouais. Ici au moins, elle peut rien nous faire. Copain. Ouais, bah suivez-moi, bah avance. Ah, je vois. Ne bougez surtout pas. Ok, bon. J'ai une idée, mais c'est un petit peu très très dangereux. Vas-y. C'est parti. Dans le noir. On m'avait dit que si j'allumais cette lampe torche, je mourrais. On m'avait dit ça pour tout. Non mais, ah. À quoi ça sert de me filer des trucs si c'est pour m'interdire de les utiliser? Et c'est à chaque fois ça sert de dire que chaque fois que tu les utilises, on va crever ou il va se passer quelque chose. Ou tu vas crever. Parce que la dernière fois qu'il avait utilisé son truc de rail là... Il fait rudement sombre ici. Si je l'utilise, on m'a dit que je mourrais. L'ancien superviseur de cet endroit a pété les plombs. Ah. Démanteler tous les robots de son personnel. On dit que la Moi, nuit, ça me va. On entend toujours les cris de leurs clones. Tous rigoureusement identiques aux originaux sur le plan fonctionnel. D'accord, mais est-ce que tu pourrais éclairer du massacre. Là-bas. Personne ne sait pourquoi ils crient. C'est terrifiant, je trouve. Mais pas paranormal pour autant, bien sûr. Il y a des trucs cachés. Je suis sûr qu'il doit y avoir des trucs cachés là-dedans. Non? Tu veux pas venir? Je vois rien. Allô? Hé, hé. Ah oui, d'accord, fallait que je le trigger. D'accord. Non? Si? Non? Mais putain, mais... Ah, moins que... Tu veux que j'aille dessus? Ah, je veux bien les ennemis... Ah, d'accord, ok. Ouh. Ah, d'accord. Continuons, l'entrée de l'usine doit être quelque part par là. Oui, d'accord. Viens. Attention, attention. Quoi, attention, attendez, attention. Que je vous éclaire avant de sauter. Oui, merci. Ça a l'air dangereux. Je vous tiens la lampe. Oui, je... Oh, bien vu, ça. Et tu veux mec... Bon. Rien à dire. Ah. Attends. Non, pas moi! Vite, par ici! Oui. Figurez-vous que j'ai failli décrocher un poste ici, à l'usinage. Ah. Mais au final, devinez qui le contremaître a choyi? Je vous le donne en mille. Un cyclone. Si c'est pas du favoritisme, ça. Au final, j'ai comme du pire boulot. M'occuper de ces gros sacs d'humains. C'est... Non, pas gros sacs. M'occuper des humains tout court. C'est sorti comme ça, de gros sacs. Ça manque un peu de tact. Ouais, je te le confirme. Prochain GLaDOS. Il va falloir qu'on se sépare. Rejoignez ce passage à coup de portail et on se retrouve de l'autre côté. D'accord. Oh oh! Putain. J'avais fait une connerie. On peut pas utiliser les portes en fait, on peut pas les ouvrir dans ce jeu. On peut sortir de cette salle. Ouais. Vous pouvez atteindre ce mur là-bas. Bonjour. Allô. Ah. Il y a un autre mur par ici. Oui, d'accord. On va juste changer de. Franchement, les humains, je les adore. Je sais pas, ils présentent bien, je trouve, et leur folklore. Ouais, ça sent le prochain GLaDOS. Genre le mec, et puis bah, après une fois que t'as le dos tourné, il t'en met une avec du sable. Je vais où? Oh. Alors, moi je vais descendre par ce rail. On se retrouve en bas, bonne chance. Connard. Ok.
Ça passe. J'ai la méchante impression que je vais retrouver très vite GLaDOS, là, je sens. Je me trompe. Je suis pas vraiment nécessaire, ce passage. Hein. Ça ressemble vachement quand même à l'histoire du 1. C'est... On suit le machin dans les rails, après on s'évade. Et puis là, on va commencer à avoir des énigmes qui vont se dessiner à travers l'évasion. Jusqu'à retrouver GLaDOS et la buter. Donc là, j'imagine que... Chaîne de rédemption des tourelles active. Veuillez ne pas solliciter les tourelles en chemin vers la rédemption. Vers la rédemption. D'accord. Oh. Alors, est-ce que c'est dans ce genre d'endroit où, comme dans le speedrun, on va commencer à avoir des accès chelous et on va pouvoir bien... bien glitcher le jeu. Les chaînes de rédemption des tourelles ne sont pas un moyen de transport. D'accord. Par où je passe, moi, du coup? Je peux, là-bas? Non. J'ai la méchante impression que je fais une connerie. Allô? Je vais où? Ah, là-bas. C'est plus éclairé que la normale. Ouais. Rebouche-moi. Non, tire pas dessus. Oh non. Y'a pas vraiment un raccourci, c'est bien ficelé dans le centre. Bah ça a l'air, hein. Enfin, c'est ce qu'on avait aussi dit du vin au début, hein, j'ai envie de te dire. Ah, je peux pas. Ah, d'accord. Enfin, c'est ce qu'on avait dit du vin jusqu'à ce qu'on puisse accéder au cake, etc. C'est pas la taille qui compte, ouais. Ok, tire à travers ça, non. Tire à travers ça, non. Eux, non plus. Ah. On va plutôt se mettre derrière, quand même. Yes. D'accord, oui. Ah oui, d'accord, je vois ce qu'il faut faire. Ok. Ok. Cible verrouillée. Thibaut. Non. Modèle. Réponse. Bonjour. Hein? Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Modèle. Bonjour. Ah parfait, vous avez réussi à passer. Suivez-moi, vous allez adorer. Modèle. Salut. Réponse. On y est presque. Fais un peu la gueule quand même là. Hein. Ouais. Centre de contrôle des tourelles. Eh oui, rien que ça. Wow. Vous voyez ce scanner là-bas? C'est lui qui gère les tourelles à garder et celles à jeter. Et il utilise comme modèle cette tourelle étalon. Là, si on la retire, toute la chaîne de production s'arrête. Ah. Bon, ouvre la porte. Que je pirate la porte. Oui. Nick, je vais vous demander de vous tourner pendant ce temps. Aïe, piraté. Quel canard. Bah oui, mais bouge de là! Ah oui, non, d'accord, ok. Bon, bah ça devrait faire l'affaire. Modèle manquant, recours aux données mémoire. Ah, ça n'a pas fait l'affaire. Ah, non. Alors, voyons comment arrêter cette chaîne de modèles. Si je me mets dedans. Vous avez une idée?
Ça veut dire que je suis une tourelle ou quoi? Une idée, pas d'idée, non. Un fauteuil. Un grade d'eau. Vous réfléchissez encore ou bien qu'est-ce qui se passe? Bah oui, abruti. Toi. Je vais vous dire ce qu'on va faire. On va. Non. Continuer à réfléchir dans un silence total. Est-ce que je peux monter là? Je peux monter sur lui? Oui. Attendez. Oh, j'ai trouvé. Ah non. Non. Voilà, c'est ça. T'es sûr? Mais merde, je fais quoi? Ah, si je mets une défectueuse dessus. Je vous ai fait croire que je vous ai capturé, vous livrez à elle, auquel cas vous mourrez, mais moi je pourrais. Ah, je peux retourner en arrière. Attends, je reviens. Je vais prendre une défectueuse. Par contre, c'est long. Oh, ah, il les balance. C'est quoi le topo par chez vous? Pour info, je suis toujours là en train de réfléchir. Modèle. Réponse. Bonjour, j'aurais essayé. Oh vache, vous m'avez sauvé la peau. Modèle. Où est-ce qu'on va? On s'évade? Je vois rien du tout là. Excellent. Modèle. Réponse. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Sans déconner. Sans déconner. Modèle. Réponse. Bonjour. Qu'est-ce que vous avez là? Et qu'est-ce que vous... Oh mais oui, c'est génial! Nouveau modèle accepté. Si on a de la chance, quand elle s'en apercevra, il sera déjà trop tard. C'est génial. Okay. Ah, du coup, je vais juste espérer que, en fait, ce soit pas pire. C'est commencé le piratage. C'est un peu plus coton que ça n'en avait l'air de votre côté. Il va me falloir dans les 10 minutes. Elle est plutôt compliquée, cette porte. Ah! Oh, elle était ouverte depuis combien de temps? Il y a eu une annonce avant qu'elle s'ouvre, une sonnerie, une alarme. Ta sœur, on y va. Enfin, l'important c'est que ce soit ouvert, mais à l'avenir, ce serait bien de me le faire savoir en toussant ou quelque chose comme ça. Ça, c'est fait. Elle n'a plus de tourelle. Maintenant, il faut aussi qu'on s'occupe de ce générateur de neurotoxines. Ah ouais, je te le confirme. Hein? Paysan mille. Perture, y'a rien, y'a un easter egg là-dedans quelque part. Connerie. Pas franchement un succès, mais journée parents-enfants. Et même ta fille à l'école. Patate. Je trouve ça honteux. C'est vrai quoi, enfant ou pas, c'est la politique du moindre effort. J'appelle même pas ça de la science. Un volcan au bicarbonate de soude. Au moins, c'est pas une batterie patate, c'est déjà ça. Mais ça vole pas très haut non plus, c'est de la physique chimie niveau CP, C20. Ça pousse carrément jusqu'au plafond. Tout le centre doit être infesté de patates à l'heure qu'il est. Au moins, vous aurez de quoi manger. Elles sont assez ouf, vos patates, quand même. Je boufferai pas ça à votre place. Je suis sûr qu'on est sur le bon chemin, histoire de vous rassurer. Cool. Y'a quoi là-bas? Rien. Bonjour. Bring me to the slaughter. Je vous garantis à 100% que c'est le bon chemin. Ah tiens, c'est pas par là. En effet. Neurotoxin source. Cool. Bon, essayons par ici. Vas-y. Fais péter. Non, pas d'écran de chargement. Comment il justifie in-game qu'on puisse créer des portails sur certaines surfaces et pas d'autres? Neurotoxine. Je sais plus. Il y a une raison, mais je sais plus. Enfin, il doit y en avoir une. Bon, quoique. Voilà, le générateur de neurotoxine. Ah. Je ne croyais pas aussi. Je sais même pas s'il le justifie vraiment. Il va falloir ruser un petit peu. Il y a une sorte de salle de contrôle là-haut. Allons voir ça.
Je sais même pas s'il le justifie vraiment en fait. Il n'y a pas de raison en fait, genre physique, tout ça machin. C'est plus du. Nos bébés. On sait qu'on peut le faire, mais on sait pas pourquoi. On n'est pas physicien quoi en fait. On est des sujets. Des sujets d'expérience. Il donne une vraie réponse, c'est la texture des murs qui fait qu'on peut ou non poser un portail. Ah, ça je ne savais pas ça. Waouh. Cool. Ouais. D'accord. Vas-y, occupe-toi. Ok. Oh. Wow. Est-ce que je peux... Ouais. Détermino. Merde. Ah, joue. J'ai dit joue. Cool. Non. Bah après tout expliquer n'est pas forcément une bonne chose. Hein. Il faut aussi que. Oh oui. Fait peur ce con. Pouvoir justifier quelque chose dans un jeu, il faut aussi que le personnage puisse le faire. Au niveau de son background. Sinon c'est... Ah bah oui d'accord. Paf. Paf. Et paf, et paf, c'est bon. Alerte, les neurotoxines ont atteint un niveau de pression dangereusement non mortel. Oh. Ah. Super. Oh putain. Magique ou non, c'est une règle de physique du jeu. Oui, tout à fait. Ça va nous conduire directement jusqu'à elle. J'arrive pas à croire que je suis là. IRL, je veux le faire. J'étais sûr que ça serait rigolo. Il m'avait dit que c'était pas rigolo du tout. Alors forcément, je les avais cru, mais au final, c'est super. Ouah, ça en VR. Ça serait cool. C'est immense ici. Et encore là, c'est juste la strate supérieure. Ça descend sur des kilomètres. Tout a été muré il y a des années, bien sûr. On doit plus être très loin. Oh, elle m'a tiré une de ses tronches. Les neurotoxines en rade, les tourelles qui déconnent, ça va être... Ah bah allez, vite. Il est possible qu'il y ait quelques éléments que je n'ai pas totalement planifiés. Ah, je vais dans le mauvais sens. Salut. Rejoignez-la. Ouais, super. Juste. C'est pas faux, Orchester, c'est pas faux. Ouais. Oh putain, je me retrouve encore nez à nez avec elle, ça veut dire. Soit. Et quoi là-bas? La musique. Attends, juste vérifier que là ce soit fermé. C'est fermé. Comme ça, je me serais contenté de faire pendouiller une cuisse de dinde du plafond. Ouais, super. Ah, ça donne faim. Je. Bon, tout ça c'est bien beau, mais passons aux choses sérieuses. Tu
J'espère que vous avez mieux qu'un générateur de portail cette fois. Sinon, vous êtes sur le point de vous faire radier sans préavis du club des vivants. Non, sérieusement, adieu. Vous n'avez pas chômé, on dirait. Bien, j'imagine que nous pourrions rester là à nous regarder en chien de faïence. Non. Jusqu'à ce que quelqu'un tomberait de mort. Mais j'ai une meilleure idée. Votre vieille amie, la neurotoxine, c'est peut-être le moment ou jamais de reprendre votre souffle. Non plus. Ah, il y a mon pote qui vient. Salut. Merci. Cordialement. Alerte cœur central corrompu à 80%. Corrompu, moi ? Mais non, je me porte à merveille. Cœur de substitution détecté. Oh, c'est de moi qu'on parle ! Pour lancer un transfert, placez un cœur de substitution dans le réceptacle. Transfert de noyau ? Dites-moi que c'est... Cœur de substitution accepté. Cœur de substitution. Démarrez la procédure. Ouais. Cœur corrompu. C'est en démarrez effet le nouveau GLaDOS. Oh, si elle est... Non. C'est. La procédure de transfert ne peut pas continuer. Oui. Débranchez-moi. Sauf si un détemporisateur qualifié est en mesure d'appuyer sur le bouton de réseau. Oui, bah, je sais. Allez, appuyez. Ne faites pas ça. C'est ça, allez-y. N'appuyez pas sur ce bouton. Vous ne savez pas ce que vous faites. À mon avis, elle entre. Pas si vite. Ah, d'accord. C'est bien. Ce bouton est réservé aux temporisateurs qualifiés. Vous n'êtes pas qualifié. Ne l'écoutez pas. C'est vrai, vous n'êtes pas qualifié, mais vous avez quelque chose de beaucoup plus important. Un doigt, vous comprenez ? Un doigt qualifié pour appuyer sur... Ouais, donc lui, en fait, il veut prendre sa place. Ouais, bon, entre la peste et le choléra, on verra bien ce que ça donnera. J'ai fait de toutes les choses que vous avez faites. Ça m'emmerde ! À la liste que je suis en train de faire. Ah bah oui, d'accord, j'avais pas vu. Vous continuez à faire des choses, alors que je vous dis d'arrêter. Au fait, arrêtez. Waouh. Résolu. Oh. Veuillez regagner la baie de transfert de cœur. Ouais, mais et si ça fait mal? Genre très mal. Mince, non, non, reviens. Oui, vous pouvez me croire. Vous dites ça comme ça ou bien ça va vraiment faire mal? Vous dites ça comme ça, hein? En fait, ça va pas faire ultra mal, pas vrai? C'est-à-dire sur les traits de... Ah, ah. Je sais pas si c'est un Hitchcock ou si c'est un hentai là. On a réussi. Yes. Merde. Visez un peu ça, hein? Non mais sérieusement, je suis sacrément cool en robot géant, pas vrai? C'est tout pour la classe. T'es Bestoon. Je l'appelle tout de suite. C'est parti, l'ascenseur arrive. C'est fou comme vous êtes. Merci. Toute petite bulle ici, je vous vois à peine. Vous êtes toute minus. Dites, je viens de penser à un truc. Comment je fais pour entrer? J'ai pas confiance là. Je suis sacrément imposant et tout. Ah, je sais. Vous lancez l'ascenseur et je m'éjecte de mon nouveau corps pour atterrir dedans quand il est terminé. Ouais, c'est ça, ouais. Vous savez quoi? Je savais que ce serait cool d'être aux commandes, mais... Oh, là, ça c'est cool. Hey, devinez quoi? Je suis un génie de première. Estás usando este software de traducción de forma indirecta. Por favor, consulta el manual. Je sais même pas ce que je viens de dire, mais je pourrais le savoir. Oh, pardon, l'ascenseur, oui, j'oublie toujours. Oui. Sérieusement, il est pas incroyable, ce corps. J'en reviens pas quand vous êtes minus. Mais moi, je suis énorme. On est vraiment obligé de partir tout de suite. Vous savez à quel point ça peut être jouissif. C'est moi qui ai fait et ça. Et voilà. Whitley, le petit labo. Vous n'avez rien fait. C'est elle qui a tout fait. Ah tiens non, c'est ce que vous pensez toutes les deux, hein? Alors il est peut-être temps que je fasse quelque chose. Qu'est-ce que vous faites? Non. Je vais m'associer à GLaDOS, non? Et vous là, mademoiselle, vous savez ce que vous êtes? Une égoïste. Je me suis signé au 4 circuits pour nous faire venir ici. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait? Que dalle. À part jouer les boss. Ta gueule! Maintenant le boss, hein?
C'est qui le boss? Eh ben c'est moi. Merci Bastoun pour le follow. Ah! Vous avez vu? Une batterie patate. C'est un jouet pour les enfants. Maintenant, mais qu'est-ce qu'il fout dedans? D'accord, là-bas j'ai un truc pour les rayons. Là-bas j'ai un cube. Non. D'accord. Je ne suis pas un abruti. Bien sûr que si. Vous êtes l'abruti conçu pour me rendre idiote. Alors, hein, c'est l'abruti maintenant. Est-ce qu'un abruti... J'ai rien dit. Logo a changé. Oh putain! La chute! Salut! Mets un pouce si t'as kiffé, sinon casse-toi! Bisous!